Bonjour les amis, alors je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro sur ma chaîne Chris Sinclair Média. Merci d'être avec moi ce soir, enfin ou aujourd'hui, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, pour que nous puissions parler des mamans, parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me parler de vos mamans, surtout en cette période de fête des mères, hein, ce week-end, et je sais que l'absence quelquefois se fait sentir grandement au sein de votre corps tout entier, de votre âme. Il y a un manque certain. Alors, par rapport à ceci, les amis, moi aussi j'ai une maman, je l'ai perdue il y a 7 ans, c'était une femme exceptionnelle, extraordinaire, et qui savait manier le silence comme personne. Alors, quand on a un manque avec une maman, on se dit toujours, notre maman nous manque, qu'est-ce que je vais faire sans elle, et compagnie. Je crois, les amis, qu'il est très important de comprendre qu'une maman, si vous voulez, c'est une chance d'en avoir une, hein, ou une plutôt, car bien souvent, on se rend pas compte du bonheur qu'elle nous a apporté. Alors, très souvent, quand elles sont présentes, on a besoin de râler après elles. On n'est jamais satisfait de leur conduite ou de ce qu'elles font et compagnie, surtout quand on avance dans l'âge. Mais c'est au moment de leur disparition, c'est en général qu'on ressent leur absence. Alors moi, je voulais vous parler un petit peu de ma maman, pour laquelle j'avais beaucoup une forme de dévotion, je dirais, parce que c'était une femme exceptionnelle. Comme je l'ai dit souvent, c'était une femme, une grande couturière. Enfin, elle avait de l'or dans les doigts, hein, tout simplement. Et voilà, alors mes frères, enfin surtout mon frère cadet, l'a jugé souvent très très mal parce qu'il n'a rien compris au film. Mais tout simplement, c'était une artiste, une grande artiste, et elle devait être traitée comme telle. Alors les amis, je vous dirais, on voit souvent les mamans ou les parents, souvent, on les regarde comme des dieux, surtout dans l'enfance, hein, c'est nos repères physiques, quoi qu'il en soit, et on s'imagine toujours qu'ils sont parfaits. Or, ce sont des êtres humains avant tout, il faut bien le comprendre, c'est très important de l'analyser et puis de l'enregistrer au plus profond de soi, bien sûr, d'accord, parce que voilà. Alors, je sais qu'au moment de la fête des mères, c'est toujours un moment donné où on se rappelle de tout notre petit monde. Alors, je voulais parler aussi au niveau des dames, notamment les dames et les messieurs qui ont vu leurs enfants partir et qui se retrouvent seuls pour la fête des mères, parce que c'est des moments aussi qui sont très difficile pour eux, et ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais vous devez savoir, les amis, c'est pas parce que vos enfants sont partis ou qu'ils vous tournent le dos qu'il faut vous mettre à mal. Au contraire, dans ces moments-là précis, il faut s'occuper de soi, il faut se retrouver la personne que vous êtes réellement. Voyez-vous, et si vos enfants ne vous adressent plus la parole pour X raisons, parce qu'ils ont refait leur vie et compagnie, que la conjointe n'est pas au top, conjoint ou conjointe n'est pas au top avec vous, laissez faire les choses tout à fait gentiment. Vous verrez que si vous vous occupez de vous-même, avec le temps, les enfants reviennent, voyez-vous, parce qu'une maman ou un papa, c'est toujours une absence très très importante pour les enfants, et que, vous savez, un couple, c'est un couple, un papa et une maman, c'est très important.
Alors, mon petit message, si vous voulez, pour la fête des mères, je voudrais vous dire, les amis, si vous avez eu la chance d'avoir une maman exceptionnelle telle que je l'ai eue, alors bénissez le ciel, laissez-la partir, et tout simplement en vous disant, bon, elle fait sa vie, elle est repassée dans une autre sphère, dans un autre monde où elle recommence une nouvelle vie. Je me rappelle, il y a quelques temps en arrière, j'habitais encore le centre de Valence et elle est enterrée au cimetière juste à côté. Et j'étais montée sur sa tombe et elle m'a dit « Laisse-moi tranquille maintenant, fais ta vie !» Voilà ce qu'elle m'a balancé. Alors voyez-vous, donc aujourd'hui, je la laisse tranquille et je fais ma vie. C'est sûr que je pense qu'il est très très important d'avoir connu ces moments-là avec une maman, mais après, bon, ben, c'est la vie, on passe à autre chose. Mais l'important, c'est vous-même, les amis, dans un premier temps. Et que dans ces moments-là de manque, que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des parents, il faut savoir se recentrer. Je mets mes petites lunettes, si vous me permettez. Voilà, c'est comme mes lunettes, si j'avais repris un cerveau chaque fois. Voyez-vous, donc voilà, il faut être dans la plénitude, dans la gentillesse, dans l'amour des autres. C'est le plus important, les amis. Voyez-vous, j'ai eu, parce que je vous l'avoue, j'ai eu énormément de messages de dames dont les enfants sont partis et qui l'ignorent et compagnie. Vous inquiétez pas, d'accord? Vous inquiétez pas. De toute façon, on fait pas des enfants pour soi. Alors, vous allez dire, c'est facile pour moi de le penser puisque je n'en ai pas. On fait pas des enfants pour soi, on les fait à la vie, on les donne à la vie et qu'importe leur parcours, leur cheminement, on les aime toujours et vous restez en attente et vous verrez. Mais il faut pas rester en attente en vous disant oui, mais pourquoi il vient pas, machin. Non, vous vous posez pas de questions. Vous occupez de vous, vous faites du sport, vous faites ce que vous avez envie de faire, un loisir quelconque, si vous voulez, quelque chose qui vous ressemble et rencontrez d'autres gens parce que vous verrez que beaucoup d'amis autour de vous, des nouvelles rencontres, vivent le même moment. D'accord? Là, c'est vraiment très important de le comprendre. D'accord? Enfin, d'ailleurs, ma mère, quand je dis qu'elle manipulait le silence à la perfection, parce qu'elle avait ses soucis-là, si vous voulez, avec un de mes frères, notamment, qu'elle adorait, et qui se comportait toujours pas très élégamment avec elle, mais elle l'a compris un petit peu quelque temps avant de partir. Elle m'a dit c'était pas le bon cheval. Ben je dis non maman, le bon cheval c'était moi. Donc voilà si vous voulez. Mais bon, les enfants sont comme ça, ils sont irrespectueux, ils sont arrogants, je trouve de plus en plus. Et il faut les prendre tels qu'ils sont. L'important les amis aujourd'hui, c'est de s'occuper de vous et s'occuper de vous et encore s'occuper de vous-même. D'accord? Et d'aller dans cette nouvelle vie. C'est comme si vous aviez 19 ans et demi, d'accord? Vous recommencez une nouvelle vie, comme s'il n'avait jamais existé pour une simple raison. C'est en lâchant prise, vous lâchez les énergies et fuis tes enfants, ils te suivent, suis tes enfants, ils te fuient. Donc c'est toujours pareil. Vous laissez faire les choses, même si vous avez une belle fille ou un gendre pas très commode. Eh ben, vous les laissez vivre à leur façon et puis surtout vous vous recentrez sur vous-même. C'est le sujet le plus important. Et alors moi, le jour de la fête des mères, c'est sûr que je fais toujours un très très bon gâteau. Hein. Alors on appelle ça un fraisier chez nous. Je suppose que vous avez la même chose dans votre contrée également. Un fraisier, parce que bon, maman adorait les fraises, donc on fait ça et puis on fait des crevettes. On adore les crevettes avec un petit apéro et un fraisier en son honneur. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer cette femme, qui se prénommait Monique, hein, voilà, et une femme d'exception qui savait coudre comme personne. Et voilà, et j'en retire, bon, c'est sûr qu'il y a eu des mauvais moments, il y a eu des moments pas faciles, parce qu'à l'époque, c'était pas évident que pour les parents, c'était pas facile. Enfin, moi, je vois dans ma famille, mes parents ne s'entendaient pas du tout. Et puis, ils s'aimaient, mais ils ne s'entendaient pas. Alors, c'était un peu particulier, mais au bout du compte, si vous voulez, quand mon père a divorcé et parti avec quelqu'un d'autre, au bout du compte, j'ai découvert chez ma mère sa fragilité, sa sensibilité,
Et j'ai découvert la femme, en fait. J'ai redécouvert la femme en arrivant, en revenant en France. J'ai eu la chance de passer 5 ans avec elle, extraordinaire. On est allé voir toutes ses amies. Elle m'a fait connaître des choses que j'ignorais. Elle aimait bien la bonne nourriture, la bonne chair comme moi, si vous voulez. Donc, on a pu énormément échanger sur sa vie passée, tout ce qu'elle avait vécu durant la guerre, de ça, parce qu'elle était toute petite à ce moment-là, mais elle avait de très, très mauvais souvenirs et de me partager tout ce qu'elle n'avait pas pu faire jusqu'à ce moment-là, d'accord? Parce qu'à l'époque, elle avait très, très rapidement compris que les gens, c'était des langues de vipères et qu'il fallait mieux pas parler que de dire quoi que ce soit. D'accord? Voilà. Alors, c'est un petit peu ce moment-là que je voulais partager avec vous pour vous dire, ben moi, je vous souhaite une bonne fête des mères, même si vous n'avez pas vos enfants, même si vous n'avez plus vos parents, hein, de votre maman en particulier. Mais je voudrais dire que c'est un moment important où il faut rendre hommage à la féminité, il faut rendre hommage à la personne qu'elle était ou qu'elle est tout simplement, parce que vous avez des fois une maman à côté de vous, mais vous ne la voyez pas. Vous vous rendez pas compte du tout de la personne que c'est. D'accord? C'est comme, comment vous dirais-je, si vous partez un sac Hermès tous les jours, vous ne l'apprécierez plus au bout d'un mois ou deux. Voyez-vous ce que je veux dire? Ben, une maman, c'est pareil. Peut-être que votre maman est une femme exceptionnelle et que vous ne vous en êtes pas rendu compte. D'accord? Alors là, je parle pour les enfants qui, quelquefois, laissent tomber leur maman, la mettent de côté, et je trouve ça triste. Voilà, je trouve ça triste. Vous passez à côté de quelque chose. Et que si votre conjoint ou votre conjointe vous dit « Non, je ne veux pas que tu ailles voir ta mère et compagnie », affirmez-vous, dites-lui « Basta » et allez faire un bisou à votre maman. C'est d'abord lui rendre hommage. Elle vous a quand même donné la vie. C'est important, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle vous a donné la vie. C'est grâce à elle que vous vivez cette vie-là. D'accord? Voilà. Et arrêtez de lui reprocher les tas de choses qui sont dans votre tête quelquefois. D'accord? J'ai un cousin, alors, qui a une bonne femme qui est complètement tabouse, qui m'a osé me dire des choses pas très agréables sur la maman de mon cousin que j'ai adoré dans mon enfance. J'ai mis une bonne paire de claques. Voyez-vous, je suis pas violente pour le sou, mais il y a des limites à ne pas dépasser. D'accord? Voilà. Donc, il y a des fois des nanas qui débattent, ou, ça j'ai remarqué beaucoup. Des nanas qui débarquent et qui se permettent d'insulter les parents des autres. Voilà, alors si c'est votre cas, messieurs ou mesdames, si votre conjoint insulte votre maman, recadrez les choses rapidement et retournez vite voir votre maman. Ça veut dire que simplement votre couple ne tiendra pas. D'accord? Quand on veut vous couper de vos racines, parce qu'une maman reste dans vos racines, automatiquement, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon, et dans le temps, de toute façon, les couples se séparent quand c'est comme ça. Voilà. Alors, s'il vous plaît, de grâce, ce week-end, rendons hommage aux mamans passées, au présent ou à venir. Voyez-vous ce que je veux dire? Rendons-leur hommage à la féminité. C'est un jour de bonheur, de joie, même si on est seul chez soi. Vous vous faites plaisir. Ben, si vous êtes seul, vous achetez un bon gâteau. Une bonne bouteille de champagne ou ce que vous avez envie de boire, d'accord, et vous piquez une biture. Vous voyez ce que je veux dire? Une bonne biture. Non, vous voyez ce que je veux dire? Vous passez un bon moment avec vous-même, un bon film, ou alors vous allez voir des voisins, ou voilà, après on peut être sauvage aussi, puis on peut ne pas aimer qui que ce soit, hein. Ça peut arriver aussi de nos jours, d'accord? Donc je souhaite une bonne fête des mères, comme vous le méritez, dans la paix, la joie et la bonne humeur. Et rendez hommage quand même à vos mamans, même si elles n'ont pas été parfaites, n'oubliez pas, ce ne sont que des êtres humains, avant tout. D'accord? Voilà, je vous embrasse fort et on se retrouve lundi, je pense, pour une autre aventure. Je vais changer un petit peu le format de ces vidéos, d'accord? J'ai envie d'aller vers quelque chose de plus, beaucoup plus léger, si vous me le permettez, les amis. D'accord? En tout cas, en attendant, je vous embrasse fort. Bonne journée à vous. Bisous.